Boom! He's back! Janik, Space Academy. Stronger than ever! Up! My training spot. Nice place here. I love that place. Yeah, I love to be in nature. Yeah, I love to be outside, you know? As long as I'm outside to make my video, well, I'm happy. Don't stick me. I do the Truman Show inside, that's enough. Even the Truman Show, I thought of doing it outside once, bring my laptop and get a little key for the internet connection, and maybe we'll do that once. Yeah, beautiful day. Give thanks for life, we're alive. So we're gonna keep yapping. On va continuer à jaser parce qu'on est en vie. Puis on dit merci à la vie. Donc c'est ça, les personnes sensibles. OK, la deuxième loi de la thermodynamique, connue par ailleurs comme la loi de l'entropie, avec les principes fondamentaux de friction, résistance détermine l'impossibilité de la Terre d'être une boule tournoyant uniformément. Au fil du temps, la boule Terre tournoyante connaîtrait des quantités mesurables d'étirement, ralentissant constamment la rotation et augmentant le nombre d'heures par jour. Puisque pas le moindre changement n'a jamais été observé dans toute l'histoire, il est absurde de supposer que la Terre n'a jamais bougé d'un centimètre. Au fil des ans, les gens de la NASA ont changé deux fois leur histoire quant à la forme de la Terre. Deux fois! Ouais, je vais vous dire ça. Dans un premier temps, ils ont maintenu que la Terre était une sphère parfaite, ce qui a été changé plus tard en un sphéroïde aplati au pôle. Puis être de nouveau changé pour donner en forme de poire, comme aussi bien l'hémisphère sud présenterait un renflement. Malheureusement pour ces gens de NASA, cependant, aucune de leurs photos officielles ne montre une Terre sphéroïde en forme de poire. Bleh. Toutes leurs photos, contrairement à leurs paroles, montrent une Terre de forme sphérique et clairement les images truquées composées sur ordinateur. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de livres religieux qui vont vous parler de la Terre plate, qui vont vous dire toutes sortes d'affaires là-dessus, mais il y en a beaucoup. Sauf que je ne vous lirai pas tous les passages religieux dans ces livres-là. Moi, je ne suis pas tellement dans ces genres d'affaires-là, tu sais. La Bible, puis tout ça, je l'ai lu, là. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, mais... dans ma quête de vérité, là, un an et demi, j'ai lu ça. Ça, c'est au début de mon périple. Hein. Au début, j'avais été chercher un Coran avec un de mes amis qui est arabe ici à Montréal. J'y avais dit, mon frère, faut que tu me donnes un Coran, je dois lire ce livre. Je savais que dans tout mon périple, dans ce grand périple, là, sur YouTube, je devais savoir beaucoup de choses. Il faut que tu grandisses dans la vie, je vous l'ai dit. Donc, vraiment, vraiment important pour moi d'avoir beaucoup de savoir puis de lire. Donc, j'ai lu beaucoup. Je lis encore beaucoup, d'ailleurs. La moyenne des gens ne lit plus vraiment aujourd'hui. Ouvrir des livres, c'est rendu une chose assez bizarre. Anyway. Donc, les cultures du monde entier à travers l'histoire ont toutes décrit et prétendu l'existence d'une Terre plate, stationnaire, géocentrique. Les Égyptiens, les Indiens, les Mayas, les Chinois, les Amérindiens et littéralement chaque ancienne civilisation sur la Terre avaient une cosmologie basée sur une Terre plate, géocentrique.
Avant Pythagore, l'idée d'une boule terre pivotante était inexistante. Et même après Pythagore, cette idée est restée une vision minoritaire obscure jusqu'à ce que, 2000 ans plus tard, Copernic ne commence à raviver la théorie héliocentrique. Héliocentrique. 191, on achève. Sûrement finir ça aujourd'hui, j'imagine. De Pythagore à Copernic, Galilée et Newton. Aux astronautes modernes comme Aldrin, Armstrong et Collins. Aux directeurs de la NASA et le grand commandant de 33e degré, C. Fred Clench Ketch. Les pères fondateurs du mythe de la boule pivotante ont tous été francs-maçons. Le fait que tant de membres de la plus grande et la plus ancienne société secrète en existence ont tous été les co-conspirateurs de cette révolution planétaire, littéral, est au-delà de la possibilité de coïncidence et fournit la preuve de collusion organisée dans la création et le maintien de cette multigénérationnelle. C'est sûr que les francs-maçons, ils savent des choses que la population en général ne savent pas. Moi, j'ai lu un livre sur mon channel, sur ma chaîne. J'ai un livre sur ma chaîne qui est « The Meaning of Masonry ». Ce que veut dire « Masonry », tu sais. C'est quoi, au juste, c'est quoi la mission des francs-maçons? Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire qui est... Tu sais, tout le monde parlait des francs-maçons, mais c'est quoi les francs-maçons? Tu sais, c'est sûr qu'eux, ils gardent des secrets. Ils gardent des secrets de la population en général. Sûr et certain, on est gardé dans l'ignorance, on nous dit pas la vérité. On nous dit pas la vérité. La réalité qu'on a à tous les jours est vraiment, vraiment pas the true reality. C'est pas la vraie réalité. C'est une réalité qui a été construite par des humains, t'sais, man-made reality. En tout cas, c'est mon avis. Regardez. C'est sûr qu'on est gardé dans l'ignorance, mais là, c'est ça, les francs-maçons. Tu sais, les francs-maçons, ils font-tu vraiment... J'ai ma caméra. Les francs-maçons... Tu sais, faut se mettre d'accord sur une chose. Je veux pas... C'est sûr que je vais peut-être être critiqué sur ce que je vais dire, mais... Peut-être qu'il y a une raison, tu sais, pour garder ça de population en général. Puis ça, j'ai déjà dit ça dans des vidéos auparavant. Tu sais, on est tellement... Je m'excuse, mais on est tellement stupide de des bouts, là. T'sais, on est tellement, là, vraiment... Gardé... Je sais pas si... Si à la base, je sais pas si, mettons, on enlève la réalité qui a été construite. Si, mettons, on enlève, là, la réalité qui est construite dans le monde qu'on a aujourd'hui, puis qu'on retourne à la source, est-ce qu'il y aurait des gens aussi stupides qu'il y a aujourd'hui sur cette place qu'on vit, là, sur la Terre? Tu sais, est-ce que les gens seraient aussi stupides ou si c'est l'ignorance qui les garde dans la stupidité? Tu sais, dans la médiocrité, puis dans la... Tu sais, c'est quoi qui... Peut-être que vous allez avoir des réactions dans les commentaires sur ce que j'ai dit, là. Mais moi, je pense que les francs-maçons n'ont pas vraiment le choix de garder ça. Là, c'est sûr que ça doit être révélé, ça doit sortir, ça sort, la vérité sort, mais... Tu sais, je pense que pour un certain nombre d'années... Tu sais, aujourd'hui, il faut considérer le fait aussi qu'on a les médias, hein, pour communiquer. Fait que pour propager une nouvelle ou quelque chose que tu veux que la population sache, ça vaut pas mal mieux aujourd'hui. Tu sais, si tu retournes là 200 ans, probablement que les sociétés secrètes avaient beaucoup plus de poids dans la réalité qu'aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Là. Je vais en venir à la fin de ma réflexion, là. Mais, tu sais, probablement que les sociétés secrètes avaient plus de poids par rapport qu'il y avait moins de communication entre les gens. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, ils gardaient ça secret parce qu'ils n'avaient pas le choix de garder ça secret parce que
pouvaient pas exposer ça à la population générale. Mais je pense qu'on est à un moment où ce qui libère les secrets maintenant, puis ils veulent qu'on le sache. Moi, c'est ça que je me dis tout le temps, parce que sinon, pourquoi qu'on saurait ça, là? Pourquoi que... Tu sais, fait que c'est fait, les gens qui ont organisé ça, ben, ils sont plus là, là, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est leur génération qui ont suivi. Mais je pense qu'ils veulent qu'on se réveille. Moi, c'est tout le temps ça que j'ai dit, puis c'est ça que j'ai dit à Santos dans mes hangouts. Je pense qu'ils veulent qu'on se réveille. C'est sûr et certain. Puis je pense que pendant un certain nombre d'années, ils n'avaient comme pas le choix de garder ça secret, vu que on communiquait, on était vraiment en séparation, puis côté communication aussi, là, tu sais, c'était bien dur, le 200 ans, de penser communiquer avec du monde en Inde, juste, tu sais, il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait rien, là. Tu sais, fait que je pense pas qu'il y avait de téléphone de 200 ans. Fait que les communications n'étaient pas les mêmes. Fait que c'est sûr qu'ils devaient s'organiser en société secrète pour garder le savoir. Puis, je sais pas, je suis bien, bien divisé là-dessus. J'ai une opinion qui est bien... j'ai ainsi de parler « speak my mind ». Moi, je pense que... En tout cas, je pense que là, on est dans une période de révélation comme... le monsieur sur le commentaire disait plutôt, j'ai oublié son nom. Là. Mais c'est ça, on est dans une période de révélation, puis une période qu'on se réveille, puis qu'on voit clair, puis peut-être, tu sais, qu'ils ont laissé leaker ça out, peut-être qu'Éric Dubé, c'est un franc-maçon, qui, tu sais, peut-être, en tout cas, je sais pas, mais il y a bien, bien des choses qui sont... ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça.